Bonjour à tous. Bonjour les gunners, je suis très heureux de vous présenter une nouvelle vidéo, vidéo spéciale Noël. Comme vous pouvez voir, nous sommes clairement dedans parce que dans moins de 4 heures, c'est bientôt Noël. Il est tout juste 19h et comme vous pouvez le constater, le père est parmi nous. Oui, il a quitté le Pôle Nord il y a bien un moment, là il a la méthode gun. Et en plus, il est venu avec son reine. Bah ouais, il va effectivement profiter aussi pour assister à une vidéo première qui va consister à vous présenter pas mal d'images inédites, mais aussi Eden, que vous avez connu à 3 mois, aujourd'hui elle a 8 mois. J'ai quelques petites annonces à vous présenter, des images inédites qui seront évidemment publiées sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que vous êtes installés confortablement parce que ça va commencer maintenant. Je crois qu'il n'est pas prêt de partir. Il veut absolument visionner la vidéo que je vais vous présenter dans quelques instants. La fameuse vidéo que je n'ai jamais publiée, en l'occurrence sur Eden. Alors vous avez des vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne YouTube Eden quand elle avait 3 mois, avec toutes ses prouesses et tout ça dans une méthode naturelle. Là, cette fois-ci, Eden, toute petite, où je l'ai désensibilisée, et vous allez voir son comportement, sa manière d'être, qui est totalement différent par rapport à ce que vous voyez dans mes vidéos, notamment sur Instagram, Snapchat, il y a aussi Facebook. Allez, sans plus tarder, voici Eden quand elle avait 3 mois. C'est parti. Et c'est vrai que je ne peux pas rester indifférent, je suis sous l'émotion. Elle est extrêmement curieuse, elle ne reste pas indifférente aux odeurs. C'est incroyable. Il faut que je présente Dexy, la chienne spécialisée chez Thérapeute, qui me donnera en profondeur le profil de ce chien, puisque Dexy, je lis à travers cette chaîne. J'ai hâte de vous montrer tout ça et il n'y a plus qu'à. Let's go. Oh.
Et ma petite Ethel. Allô ma bébé. Oh là là, mon bébé. Il est où Eden? Ben il est là, ma petite Eden. Ouais, mon bébé. Ok, papa, il a dit, il attend. Oh là là. Oh, papa, il a dit quoi? Papa, il a dit, attends. Oh là là. Très, très bien, papa, il a dit, attends. Go! Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, papa? C'est le jouet. Tu sais comment on fait? Eh ben voilà, la mordue, sans que je lui ai donné l'instruction. Ok. Bon, ce qui est super, c'est que là, le chien, on voit qu'il sent... qu'il prend pas la tangente avec son jouet. Ce chou avait tendance à faire ça il y a quelques jours. Je dois vous avouer que j'ai travaillé cette désensibilisation parce que son propriétaire, initialement, il a créé un trouble. Lorsque ce chiot avait quelque chose dans la gueule, en fait, il prenait la tangente. Là, aujourd'hui, on peut remarquer que effectivement, ce chiot est resté avec son jouet sans qu'il se dise que j'allais le récupérer. Donc la désensibilisation, je trouve qu'elle est bien réussie. Segen, Dexy, Gunny, Leica et Eden. On va se promener avec Tilou. Bienvenue à Orléans au 14 juillet 2019. Ah, ça va montrer que Démo il est trop méchant. On se dit bonjour quand même. Bah oui, quand hein même, oui. Il y a 3 mois là. Ah ouais. Ah oui, ça pousse vite. Eden, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer? Eden, au pied. Tu dis bonjour au pied, sous les pieds à papa. Oui, bravo papa. Allez, file. C'est le jouet, ça. Mort, lâche.
Oh là là, papa, va bouger, va chercher. Oh là là, hé hé, regarde. Qu'est-ce que c'est? Je fais de la magie. Pause. Oui, va chercher. Allez. Oui. Quand on a présenté Eden ici avec tous ses animaux, c'est clair que c'était sa préoccupation de vouloir s'attaquer à tout ce qui bougeait. Maintenant, regardez, elle est sans laisse et elle ne manifeste aucune attention de vouloir se diriger vers une poule, vers le coq, vers les chefs, les patates, etc. Eden a de la chance de vivre en toute harmonie avec tous ces animaux. Quand on voit tous ces animaux en liberté, tous les animaux confondus, poules, les patates, les oies, les chèvres, les lamas, les coqs, les dindes, le paon, le chat, mes autres chiennes, vivre en paix avec autour de tous ces animaux, ça a une signification, on ne peut pas rester indifférent par rapport à ça. Et tu me dis, mais pour moi, c'est une satisfaction de les voir vivre en harmonie. Un havre de paix, c'est ce qui enclenche chez moi toute cette passion. C'est ça, le plaisir de voir tous ces bêtes heureux. Et ça me rend heureux. Je savais que ces images allaient vous faire plaisir. En tout cas, quand je regarde ces images, je pense fortement à ma chienne Gun. Gun est arrivée sur YouTube, c'était en 2012, mais elle avait à peine un an. Et je pense fortement à un ami qui s'appelle Thomas, d'ailleurs s'il me regarde, je te salue. Thomas qui m'avait offert un appareil photo, et c'est grâce à lui effectivement qui m'a amené à publier des vidéos sur YouTube, puisque je suis arrivé tout naturellement sur cette chaîne. Et surtout pour valoriser l'animal, puisque souvent il était tant décrié, la race du Malinois qui était mal perçue. Voilà, je me suis rattrapé avec ma petite chienne Eden, et en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir. Dans moins de 30 minutes, c'est-à-dire à 20h, une nouvelle vidéo sera en ligne. Oui, aujourd'hui, tout à l'heure, à 20h, une vidéo qui va durer 40 minutes, une vidéo avec une stagiaire qui était venue adopter la Method Gun avec son chien Oscar. C'est un chien qui était adopté à la SPA. Il avait donc des problèmes d'obéissance, mais aussi des problèmes avec ses semblables. Et vous allez voir, cette vidéo vaut vraiment le détour. Il se cabre, il se tord, il cherche à mordre, il se hérisse, il agresse. Il agresse de façon volontaire. J'ai pas vu arriver un York qui arrivait par derrière, qui se confondait avec le sable. Il l'a agressé et le York a été poche de morale perforée, gros bazar. Ah oui, bazar, à ce quoi. Point quand même. Ah oui, 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 oui. Il l'a chopé et il l'a secoué. Comme vous le savez, à la méthode Gun, nous sommes dans une méthode d'éducation qui est individuelle, personnalisée, une méthode naturelle. On est dans une méthode sans contrepartie, sans détournement. Il n'y a pas de friandise, il n'y a pas de collier étrangleur, il n'y a pas de pet corrector, parce qu'il paraît que ça devient la mode, cette utilisation de ce produit. Enfin bref, par rapport aux bonnes nouvelles, parce que oui, je sais que ça va vous faire plaisir. Comme vous le savez, j'étais un petit peu absent, j'ai publié moins de vidéos parce qu'il y a le travail, beaucoup de travail à la méthode Gun avec les stagiaires, les nouvelles formations que je mets en place, etc., etc. Il y a ma petite Eden aussi qui a été adoptée. Donc ça fait un mix de tout ça, donc ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, je souhaite vraiment me rattraper, c'est en quelque sorte mon cadeau de Noël. Donc jusqu'au 31 décembre, tenez-vous bien, vous aurez chaque jour à partir de demain à 19h sur ma chaîne YouTube de nouvelles vidéos. Donc des vidéos chaque jour jusqu'au 31 décembre. C'est pas beau ça? C'est pas fini, j'ai des nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, le site internet de la méthode Gun qui arrive très prochainement. Comme vous le savez, le site est en cours de réalisation. Elle se termine très prochainement. Vous y retrouverez plein de nouveaux modules de formation que je proposerai. Oui, parce que certains ne le savent peut-être pas, mais nous sommes un organisme de formation. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Pour rester avisé de la mise en ligne du site internet, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont sous la description de cette vidéo. Je ne vous le présente plus. Mike, qui se trouve tout juste derrière la caméra, petit passage éclair. Mike, c'est celui qui a adopté la méthode Gun il y a plus de 3 ans. Celui qui est souvent en vacances, vous savez. Dans mes stories, je publie régulièrement des stories avec sa chienne, Laika. Et bien là, il est parmi nous. Bonjour, Mike. Bienvenue. Viens sur le podium. Fais pas ton... Mais il fait son timide, là. Ça va, petit Mike? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et t'as tout chaud, là? Mais bien sûr. Il revient, vous savez d'où? Tu peux le dire? Je peux le dire, je peux le dire. Je reviens du Costa Rica. Et alors, les vacances, c'était... Ben, franchement, c'était... 5 étoiles, c'était magnifique, c'était super bien, on a eu pris le temps de se reposer, de se détendre un petit peu, c'est reparti pour une grosse année.
Alors je rappelle que Mike, on s'est lié d'amitié, on s'est rencontré donc en stage, c'était en région parisienne. C'est ça. Et du coup, voilà, le feeling est bien passé, et puis on est devenus potes. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et Mike aime bien souvent confier son sachet de chez moi. Et franchement, je m'éclate. Eh ben ça fait plaisir. Franchement. Je pense qu'elle s'éclate aussi. Hein. Allez. Je pense que je pars en vacances, mais je pense qu'elle aussi, elle est en vacances quand elle est chez toi. Tu es parti, la conscience tranquille. J'étais super tranquille, j'étais détendu, j'étais cool. Pas du tout inquiet. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour vous situer un petit peu, il vient faire son petit passage pour récupérer sa chaîne d'écart. C'est ça. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec elle. On s'est vachement bien éclaté, comme chaque jour avec les chiennes. Et puis, bah, c'est la petite sœurette de mes chaînes. Hein, parce qu'ils se connaissent, ils s'éclatent, ils ont le... Ils ont le petit lien d'amitié. Ouais, et puis le petit rituel au quotidien, quand tu les fais sortir en meute. Enfin non, c'est vraiment génial. Franchement, elle apporte toujours cette petite touche personnelle et ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Bah écoute, merci en tout cas, ouais. Mike, de ton passage. Merci à toi. Et t'imagines bien que je suis pas venu les mains vides. Bon, peut-être que c'est peut-être une surprise, mais voilà, on est le 24 décembre. J'ai quand même un petit cadeau pour toi. Alors voici le premier cadeau. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Alors, en rose comme ça? Oui, en rose. Qu'est-ce qu'il me réserve, lui? Et le deuxième cadeau. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, on n'est pas encore le 25 décembre, tu l'ouvriras quelques pas heures. Tout de suite. Voilà, tu prendras le temps. Il reste quelques heures et tu l'ouvriras à minuit. D'accord. Bah, en plus, c'est un peu lourd. Merci beaucoup, mon frérot. Ça fait avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait très très plaisir. Moi, j'ai pensé à toi. Ouais. Ce que j'ai pensé, c'est t'offrir les nouvelles laisses. Je les appelle les laisses Eden. C'est les laisses double manche. D'accord. Et là, mon petit Gaëtan. Ouais, Gaëtan, la petite assistante. Et c'est Gaëtan. Je te remercie, tu veux me dire ça? Merci. Je t'offre. Merci les laisses beaucoup. Eden en avant-première. Elles sont pas disponibles chez Gunstore ni chez Tuto. Donc c'est des laisses double manche et parfait. Tu as donc tu as les trois modèles. Tu as la version verticale, horizontale, en bleu, blanc, rouge. Enfin tu as la laisse donc noire. Tu as donc les deux manches pour effectuer la marche en laisse dans la cohérence absolue. Tu as rien. Parfait. Donc c'est cool. Top. Donc du coup, le cadeau c'est les deux. Bah ouais. Et ben c'est génial, merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais te claquer une bise. Merci, oui. Merci infiniment. Merci à toi, ça fait plaisir. Et ben écoute, j'avais déjà le premier modèle qui était déjà plutôt pas mal, hein, qui est vraiment de bonne qualité. Bah là, ça n'a rien à voir. Là, je vois effectivement qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. C'est pas le même tissu. Pour la marche en laisse, ouais. Donc, on va essayer ça dès demain. Avec plaisir. Je te dirai, mais en tout cas, bon, tu peux leur dire que ta chaîne marche bien en laisse quand même. Marche bien en laisse, donc je suis pas du tout inquiet, mais voilà. On va quand même les essayer, mais voilà, elles sont très très belles. Il n'y a pas de souci, en tout cas, il y a juste à regarder sur une des anciennes vidéos avec laquelle j'ai publié. Cette laisse avec ma petite chaîne Eden. D'accord. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, merci de ton passage éclair. Merci à toi. Mike. Il n'y a plus qu'à souhaiter peut-être un joyeux Noël à nos gunners qui nous regardent. C'est ça, bah, joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, profitez et que l'année prochaine soit meilleure que cette année. Donc voilà, tout simplement. Avec plaisir. Bah, bonne route. Merci et beaucoup. Puis, nous, on se tient au courant. On se tient au courant comme d'habitude. Allez, merci. Merci. Voilà, ça fait partie du direct, en totale improvisation, notre ami Mike. Tout à l'heure sur Instagram, j'ai publié une story. Et dans cette story, j'ai invité les gunners justement à poser leurs questions ou me laisser un message pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Et bien là, j'ai reçu pas mal de messages, je vais vous en citer quelques-unes. On a par exemple Olimi, moi je connais, c'est une fan qui me suit depuis très longtemps et elle me like souvent, elle publie souvent des commentaires, donc je finis par vous connaître. Alors tout d'abord, elle me souhaite un joyeux Noël à la ferme du bonheur, effectivement, comme vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos. Vous avez plein d'animaux sur le terrain de Metal Gun, vous avez pu voir mes lamas, mes chèvres, mes lapins, mes poules, mes coqs, etc. etc. Donc ça fait vraiment plaisir, merci Olimi, et je te souhaite aussi un joyeux Noël. Un message de Huguette. Kalino Ophi, une fan de vos vidéos, bravo Joseph pour votre gentillesse, merci Huguette. Je sais que tu m'envoies aussi régulièrement des messages, ça fait vraiment plaisir. Tu me souhaites aussi de bonnes fêtes et de bonnes nouvelles surprises pour 2020. En tout cas, merci beaucoup Huguette, ça fait plaisir. Katsuki Pupi, qui m'envoie un message et qui me dit « Coucou, je voulais savoir pourquoi ne fais-tu pas de portée à Dexy et à Gumi ?» Effectivement, c'est une très bonne question. Tu me fais penser à la première portée que j'ai pu faire à ma chaîne Gun, la seule et l'unique portée, comme quoi j'ai tenu parole. Ça c'est une petite aparté pour ceux qui se reconnaîtront. Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est vrai que Dexy et Gunny arrivent bientôt à 5 ans, donc le 1er avril comme vous le savez. J'y songe, donc pour ceux qui veulent me présenter des Malinois, super Malinois mâles,
éventuellement un petit concours. Donc n'hésitez pas à vous contacter, puis on peut en discuter, se rencontrer avec plaisir. Il y a un petit message de Sylvie qui me dit « hâte de te voir ». Alors évidemment, dans la story, j'avais effectivement annoncé qu'il allait avoir une nouvelle vidéo. Et donc, elle est impatiente. Il y a Mélodie qui nous envoie un message. Pourquoi que des femelles et les fœtus stérilisés? PS, j'adore ton travail. Merci beaucoup, Mélodie, ça fait plaisir. Alors, pour être vraiment bref dans mes réponses, pourquoi des femelles? Je pense que ça nécessite une vidéo complète pour vous expliquer véritablement pourquoi des femelles. Et je pense que certaines personnes ne vont pas s'attendre à ce que je vais vous raconter comme histoire. Beaucoup ignorent, j'ai gardé ça en moi depuis très longtemps, depuis que j'ai mes chiennes. Certaines personnes ne se doutent pas pourquoi j'ai que des chiennes. Et je pense que ça vaut vraiment le détour de vous présenter tout ceci en vidéo. Voilà, donc très prochainement Mélodie. Et concernant la stérilisation, alors comme vous le savez, pour moi la stérilisation est quelque chose qui est contre nature et j'estime qu'il n'est pas nécessaire pour mes animaux de stériliser mes chiennes. Voilà, donc j'aurai l'occasion peut-être éventuellement de développer sur ce sujet à l'occasion. On a notre ami Maxime qui me pose une question. Le Père Noël existe-t-il? Alors écoute, moi on me l'a fait croire, alors c'est beau de rêver et d'y croire. Et la preuve, toute la déco que j'ai mis en place, c'est justement pour me donner toutes les chances pour faire venir le Père Noël sur le terrain de la méthode Gueule. Alors il y en a déjà un, c'est déjà pas mal, mais il y a, en fait, finalement, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs accrochés. Donc oui, bien sûr qu'il existe, hein, évidemment, quand même. Sinon, on ne ferait pas une vidéo spéciale Noël. Réfléchis, Maxime. Donc Maxime, c'est aussi un ancien stagiaire qui était venu adopter la méthode Gueule. Ouna, comment vont les filles? Bah écoute, ça va, tranquille, pépère, les pieds dans l'eau, comme un chameau dans le désert. Elles vont très bien, elles vont très très bien. Allez, continuons encore quelques-unes. Quel talent, continuez, merci Elodie, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup à toi. Parle-nous du premier chien de ta vie. Eh bien écoute, dans l'une des premières vidéos, j'ai effectivement dit que ma première chienne était Gun. Mes grands-parents avaient effectivement des chiens où moi j'allais en vacances et j'allais les côtoyer. D'ailleurs, le chien blanc que j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, avec qui je passais du bon temps, il est décédé à 18 ans. Il a vraiment vécu, ce chien, c'était le chien, mais un amour. Et même moi, je me souviens quand il avait des mouches qui se collaient sur ses poils, je venais pour les écraser, pour les retirer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'avais à peine 18 ans quand il était parti. Donc ce chien blanc, vraiment d'une douceur, mais vraiment incroyable. Et je me souviens comme si c'était hier. Et sinon, ma première chienne, c'est la chienne Gun. Voilà. Et à l'occasion, on aura l'occasion de reparler de ma chienne Gun. Et je sais que vous avez sans doute vu la vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, le retour de Gun. Je sais qu'elle vous a fait vraiment plaisir. Et j'ai hâte de vous refaire d'autres vidéos, vraiment. Merci de vos messages. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Je vous l'affiche évidemment sur l'écran Gundog TV. Et bien évidemment, sous la description de la vidéo, vous retrouverez bien évidemment le lien. Accueillons maintenant notre petite Eden. Oui, Eden a bien changé. Vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, elle avait 3 mois. Et aujourd'hui, quel âge elle a, notre petite Eden? Elle a maintenant 8 mois. Welcome et bienvenue. Bonjour, bonjour. Tu dis bonjour aux internautes. Et oui, ma petite Eden, elle a bien grandi, ça fait plaisir. Oh là là. Ok, tu te rappelles quand t'as fait l'objet d'une palpation de sécurité? Rappelle-toi, on va la remontrer là. Attends, on va faire le pacte sur le mur. Ok, pacte sur le mur. Voilà, palpation de sécurité. Oh là là, t'as pas de jouets sur toi de dangereux? Parce que des jouets dangereux, il y en a, hein. Ah bah oui, ma petite Eden. Bon, oui, mon bébé, extraordinaire. Descends, sous les pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, tu mordis le tabouret du Père Noël, il va t'engueuler, attention, hein. Ok, je vais te présenter un autre jouet, d'accord? Ça, on va laisser, papa, d'accord? Attends, on va te présenter un autre jouet, je sais que t'as envie de jouer. Viens voir jouer. Ouais, tu passes sur le mur, ça sera tout à l'heure après, mon bébé. Eh oui. Yes, ça. Qu'est-ce que c'est, ça, papa? C'est le jouet, sous les pieds, papa. Ok, et il a dit quoi? Allez, tu sous les pieds. Oh là là, très très bien, papa. On fait demi-tour. Oh là là. Marche, marche. Ok, mort. Lâche. Ok, marche. C'est ça, c'est le pied sur la gauche. Très bien. C'est très bien, bien. Voilà. Très très bien. Voilà, elle est où? Voilà, très bien. Encore. Voilà.
Oui. Oui, mon bébé. Oh là là, très très bien. Marc. Oh là là, tu mords. Oh là là, tu mords. Maintenant, tu tires. Allez, tire. Ok. Langage des signes. Langage des signes. Langage des signes. Langage des signes. Ça veut dire quoi, ne pas bouger? Langage des signes. Oh là là! Extraordinaire! 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 Oh là, papa, il va le donner? Ok. Langage des signes. Langage des signes. Langage des signes. Langage des signes. Oh là là! Oh là là! Oh oui, tu t'en as, papa. Oui, tu t'en as? Très bien. Oh là là, tu mords. Oh là là, tu mords. Oh, quel langage des signes. Oh là là, tu es quota. Oh là là, très très bien. Oui, très bien. C'est bien ça, papa. Allez, tu tiens. Oh là là, tu tiens. Allez, tu tiens, tu tiens. Oh là là. Oh, t'as de la force, tes dents. Et Eden a de la force. Ah bah ouais, de la force. Oh, ouais, tu mords. Ok. Oh là là. Lâche. Ok, sous. Ok, reste. Va chercher. Oh là là, va chercher. Oh, extraordinaire, ma petite Eden. Oh là là, extraordinaire. Eh ben, elle est où, Eden? Eden, elle est où, Eden? Je cherche Eden. T'as pas vu Eden, toi? Eden. Oh, ben, là, là. Oh là là, c'est ton jouet. Oh, extraordinaire. C'est ton jouet, mon petit. Oh, bah ben, oui, tu vas bien là, papa? D'accord. On va faire du tir, tir, tir. Ok, on va faire du tir, tir, tir. Ok, ok. D'accord. Facebook, Twitter, cacahuète, pistache. Petit papa Noël. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, ma plage. Oh là là, très très bien, hein, papa. Oh là là. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous montrer un petit peu les petites prouesses de Eden. Et là, d'un seul coup, j'ai un peu chaud, donc je pense que limite, je vais retirer mon écharpe. On a Gaëtan qui va nous rejoindre sur le podium de la méthode Gun. Gaëtan, comme vous le savez, l'instructeur canin qui nous a rejoint il y a plus d'un an. Gaëtan qui est avec nous. Hey. Voilà Gaëtan que vous connaissez, Gaëtan que vous avez découvert sur ma chaîne YouTube. Regardez hein, les vidéos les plus récentes. Gaëtan, t'as un petit message à passer aux gunners qui nous regardent? Ah, et ben en cette période de fête de fin d'année, on va souhaiter à tout le monde un joyeux Noël. Ouais. De belles fêtes de fin d'année. Et on peut même faire la blague qu'on fait tous les ans à l'année prochaine. À l'année prochaine, voilà. Merci Gaëtan. Voilà, petite vidéo avec Eden. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. On voit clairement la complicité, le lien qui a été créé au fur et à mesure. Elle est vraiment très attachée au jeu. Et on le voit qu'elle n'a pas été contrainte. On voit clairement qu'elle elle veut faire plaisir et c'est ça qui est beau. C'est aussi ça la méthode Gun. C'est aussi des images pour vous donner aussi envie de faire la même chose avec vos compagnons. Mais je tiens à souligner qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Gun pour faire ce que Gun fait. C'est toute une question d'apprentissage et d'un savoir-faire. Et tout ça, vous l'apprenez évidemment à la méthode Gun. Voilà, je pense avoir tout dit. Gaëtan, tu... Moi, je peux rajouter quelque chose. On espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines vont vous plaire aussi. Espérons également. Et puis, ben, merci d'être venu sur le podium pour souhaiter un joyeux Noël à tous les gunners qui nous suivent et qui sont restés jusqu'au bout. Et nous, on va les laisser parce qu'ils vont se préparer, parce que dans quelques instants... Il faut aller ouvrir les cadeaux. Ouais, il y a, y a les cadeaux, mais avant les cadeaux, il y a la vidéo qui va arriver. Bien vu. Hein, avec, ça peut faire partie de la cadeau. Avec Marie. Eh oui, c'est le cadeau. C'est le cadeau que j'offre aux gens qui me suivent. Merci à toutes et à tous. Merci mon petit Gaëtan. Eh ben merci à toi et à bientôt. À bientôt. Petit rappel, comme vous le savez, le chocolat est l'une des friandises incontournables des fêtes de Noël. Mais pour autant, il est très toxique pour les chiens. Les propriétaires de chiens doivent être conscients du risque. Pour conclure cette belle année qui a été riche en émotions avec les stagiaires qui sont venus des quatre coins de la France mais aussi de l'étranger, je tenais à vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, de vos messages de bienveillance. Vraiment, sincèrement, je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces messages de soutien et ça, c'est ce qui me fait vraiment tenir et qui me donne envie de continuer avec vous. Et dans cet état d'esprit, c'est aussi ça, la méthode Gun. Ma résolution pour finir cette belle année, la plus importante, Call de Source, c'est de continuer de me donner un fond pour vous
et bien sûr pour vos compagnons. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale Noël vous a fait plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël à vous, vos proches, vos amis et bien sûr votre compagnon. Eh oui, parce que vos compagnons font aussi partie de la famille. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye.